Bonjour à toutes et à tous, c'est Olirar et aujourd'hui on se retrouve sur la map tuto. Donc, comme prévu, je vais donc vous faire un tuto avant de partir en vacances. Mais je vais changer ce qui était prévu, donc dans ce que je vous annonçais dans la vidéo que j'ai sortie hier. Je vais pas réaliser un bâtiment, on va tout simplement réaliser un petit bateau. Et du coup, ça va nous obliger ensuite à réaliser un port sur notre île, donc on verra comment on le fait. Je pense avoir une petite idée, je sais déjà que je vais le faire par ici, avec des maisons ancrées en fait dans le mur. On fera un truc comme ça, je pense. Donc aujourd'hui on va commencer, on va se mettre directement sur le bateau. Donc j'ai déjà placé un repère pour que mon bateau soit pas sous l'eau. Parce que je sais déjà exactement ce que je vais faire, je vais essayer sur une autre map en solo. Donc super sympa, j'espère que je vais réussir à faire exactement le même. Donc voilà, donc je vous laisse regarder tous les ingrédients donc en gros que j'ai pris pour le bateau. Donc c'est parti, déjà on réalise ceci. Donc ça sera là qu'on pourra descendre du bateau sur le quai, comme ceci. Donc bon, il y aura une petite plateforme. Donc on va déjà faire la forme du bateau, donc avec le contour. Ensuite on aménagera un plancher et on verra pour la coque en fait tout à la fin, puisque c'est un peu plus complexe. Donc c'est parti, donc déjà on va laisser ça, donc tout simple. Hein. Ensuite vous prenez des barrières. Donc ce que je vais faire moi, c'est que mon avant sera par là-bas. On va faire semblant qu'il est arrivé du port, donc il n'est pas reconstruit jusqu'ici. Qu'après il fait demi-tour pour repartir. Hein. Donc c'est parti, hop, hop, on va se diriger vers l'avant. Donc vous allez voir, c'est pas un bien gros bateau, mais il est vraiment super sympa. J'ai pas pris de terre pour faire mes appuis, hein, mais bon, vous prenez de la dirt, si vous êtes en survie. Donc là, hop, ensuite, hop, comme ceci, comme ça, hop, hop, donc là il y aura le nez du bateau en gros, comme ceci, donc rien de bien complexe, hein. Vous faites exactement comme moi. Hop. Impec. Donc comme d'hab, je vais mettre une petite musique en fond, hein, pour que ça comble un peu les blancs, puisqu'il n'y a pas grand chose à raconter, hein, pour cette construction. C'est vraiment rien de compliqué, vous faites juste comme moi, c'est pas super dur. Je donne des détails quand il y a des trucs un peu complexes, genre pour la coque, pour si vous voyez pas bien sur la vidéo, si c'est une demi-dalle ou un escalier ou un bloc, hein, parce que là il va y en avoir à l'intérieur du bateau, vous verrez ça après. Donc déjà voilà, on a la pointe de notre bateau, on va attaquer l'arrière. Donc même principe, hein, prenez comme ceci des poteaux. Donc alors là, hop, hop. Donc là c'est 3 avec. Hop, et là vous mettez un bloc juste ici. Voilà. Ensuite, donc étape un peu complexe, parce qu'en fait, on donne une forme un peu comme ceci à bateau. Hop, on rentre, sauf qu'après on ressort pour faire une sorte de derrière au bateau. Alors hop, comme ceci, tac, donc deux blocs. On va faire pareil de l'autre côté. Hop, 2, ensuite, comme ceci plutôt, 1, et là, faut que vous en mettez un vers le haut. Donc voilà où on en est, donc ce que ça donne. Hein. Donc là, on va juste avoir à mettre le derrière du bateau,
Donc pour ça, vous partez donc de là, comme ceci, vous mettez une barrière, une autre. Alors pareil en face, hop, hop. Et là, vous allez mettre... Attendez, ça va être compliqué. Un poteau ici. Pareil ici. Et là, on va avoir le derrière du bateau. Hop, voilà. Et vous pouvez un peu surélever comme ceci. Donc voilà, pas mal. Et là, vous pouvez même mettre ça comme ceci. Donc voilà. Maintenant, on va poser un peu le sol de notre bateau. Donc là, toujours rien de compliqué. Il va juste falloir s'arrêter pile poil aux bons endroits par ici pour que ça monte ou que pour qu'il y ait une forme dans le bateau avec là le poste du capitaine. Donc c'est parti, on commence là, donc demi dalle. Ah, je peux monter à bord. Donc là, vous faites juste comme ceci. Ah. Je vous remets le jour. Boum, voilà. Comme ceci. Alors ensuite, on va commencer par l'avant. Donc pour ça, vous ajoutez une couche juste là. Hop. Ensuite, vous pouvez mettre des blocs pleins ici. Vous remontez encore. Et par contre là, hop là. Et après, vous pouvez refaire la scène de Titanic à l'avant du bateau. Donc, par contre, on va placer un mât qui sera ici, il me semble. Donc, attendez. Hop. Voilà. Voilà. Donc ensuite, pour l'arrière, et ben toujours rien de compliqué. Donc vous, pour l'arrière, vous continuez jusque ici. Là, vous allez placer bloc plein, bloc plein, bloc plein, voilà, enfin, comme ceci. De façon à pouvoir monter sur l'étage et ici, comme cela. Donc vous montez sur les côtés en fait, il peut y avoir quelque chose de posé, genre un coffre ou quelque chose comme ça. Donc ensuite, vous continuez comme ceci, puis vous remettez une marche juste là. Alors, on va avoir un mât par contre juste ici. Bougez pas. Oui. Donc on a un mât là, un mât là. C'est un bateau avec deux mâts. Là, vous pouvez placer trois blocs pleins. Là, on aura ensuite un niveau avec le poste du commandant. Pardon, cherchez le mot. Comme ceci, et vous laissez une place pour mettre un escalier ici et un de l'autre côté. Donc voilà, on a le plancher de notre bateau. On va juste ajouter une petite barrière ici de sécurité. Voilà, je pense qu'on est plutôt bon. Donc on va monter nos mâts. Donc on va rien de bien compliqué encore une fois. Hein. Vous montez le mât donc de... Sans compter le bloc là, 1, 2. Ensuite ici, on place un bloc comme ça. C'est une question d'esthétique cette fois. Donc ensuite, vous pouvez continuer de monter. On monte, on verra après. Ici, vous faites pareil. 1,
2 et vous placez un bloc non un peu plus haut pardon comme ceci. Donc là vous pouvez placer comme ceci une petite déco dessus et on continue de monter ce malin. Alors maintenant, donc vous partez d'ici. Quoi que attendez. Non, on va partir carrément de l'avant. Donc, hop, laine grise, laine blanche, laine grise, laine blanche, laine grise, laine blanche, laine grise. On en a combien là? 1, 3, 4, 1, 3. Et enfin une quatrième et une blanche, donc ça fait 8 que vous alignez. Donc vous montez vos poteaux jusque là-haut du coup pour vos mâts et là on va enrouler en fait autour une sorte de voile en gros entre guillemets. En fait c'est un peu aléatoirement histoire que ça va ça fasse pas un gros cube en fait hein. Et donc on va dire que la voile elle est pliée puisque le bateau est à l'arrêt. Vous ajoutez ensuite des poteaux comme ceci pour y mettre une sorte de plateforme. Vous pouvez déjà faire la même chose ici même si on n'a pas encore la voile. Et pour ici on part donc d'ici, donc juste au-dessus de la déco, vous commencez par laine blanche, laine grise, laine blanche, laine grise, laine blanche, laine grise, donc faites une alternation à chaque fois, jusqu'à toucher le poteau. Et là, eh bien, comme avant, vous faites une petite structure autour du poteau. Comme ceci, voilà. Donc maintenant, on va ajouter quelques petits détails et on va s'attaquer à la coque. Donc vous pouvez mettre des petites échelles juste là pour décorer. Là, ici. Ah, je me suis coincé. C'est bon. Voilà. On verra pour derrière si on en met ailleurs. Donc on est plutôt bon. Je regarde. Ok, donc on va juste vite fait faire le poste du capitaine. On va avoir besoin de d'un fauteuil donc de capitaine. On va faire ça en bois blanc. Je vais le faire son fauteuil. Oh, fauteuil tout simple, hein, je pense. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas trop. Bah déjà, on va mettre le gouvernail. Donc bon, on essaie de faire un truc pas trop sophistiqué non plus. Tac. Comme ça. Comparateur, ouais, on peut tester. Donc on va mettre comme ceci un volant. Ici un comparateur. Et un peu de matériel donc histoire de décorer un peu voilà donc hop on se débarrasse de tout ça et donc on va s'attaquer au dessous du bateau donc il faut que je récupère par contre mon escalier foncé donc c'est quoi bois de sapin moi j'ai pris hein.
Donc alors, attendez que vous voyez. Qu'est-ce que je peux prendre? Petite potion de nyctalopathie. Si je le dis bien, je sais pas. Nyctalopie, pardon. Comme ça, vous voyez, sous l'eau. Impeccable. Alors là, escalier retourné. Juste là. Pareil de l'autre côté. Voilà. Pour l'avant du bateau, comment on va faire ça? Déjà, je vais remettre le jour déjà. Ah, ça j'ai une tête. Et maintenant, bah, il va falloir qu'on fasse. Déjà, là, excusez-moi, je suis retourné voir sur l'ancienne construction que j'ai fait, comment j'avais réalisé ça. Donc, on prend nos escaliers. Et là, on va mettre des escaliers retournés. Attendez, je me développe plein du coup. Et on fait une sorte de ligne qui descend délicatement dans l'eau. Et on va faire un escalier. Donc aussi décalé, faire la proue du bateau, je sais plus si c'est bien ça, mais il me semble la proue, donc l'avant, comme donc juste comme ceci. Donc pour compléter, derrière on va juste remplir deux blocs pleins, voilà comme ceci, voilà. Ensuite, vous pouvez continuer de descendre, moi c'est ce que j'ai fait, hein, sous l'eau. Comme ceci. Voilà. Ce qui vous permet donc d'ajouter une sorte de quille sous le bateau. Hein. Donc voilà. Bien sûr. Voilà, on met une sorte de quille sous le bateau, vous voyez. Bon, alors pour les escaliers ici, c'est pas super beau, c'est vrai, mais au moins il y a une forme. Ensuite, pour le côté juste là, juste des escaliers retournés ici. Ici vous mettez du plein, hop, comme ceci, hop, voilà. Ouais, c'est ça. Ensuite on va voir pour l'arrière parce que c'est un peu compliqué. Donc pour l'arrière, vous placez juste ici, bloc retourné, vous faites descendre un bloc ici, là, mettez un bloc à l'envers, il va falloir qu'on descende aussi cela, jusqu'ici, ouais, faire pareil de l'autre côté du coup. Comme ça. Alors sachez que la coque, c'est dur de faire la même sur deux bateaux, vraiment. Franchement, c'est un peu aléatoire de fabriquer une coque à un bateau. On essaye de donner une forme à peu près correcte, mais faut toujours essayer de faire un truc différent. C'est pas possible de faire exactement la même chose. Voilà, c'est la petite parenthèse. Vous pouvez même ajouter un bloc comme ça, ici un bloc comme ceci, mais pas mal, donc un bloc à l'envers, j'ai vu. Voilà, c'est pas mal, derrière on va remplir le développement juste là, donc au-dessus,
N'oubliez pas de soit torcher, soit remplir l'intérieur de votre bateau, sinon vous pouvez avoir des mobs qui spawnent. Voilà. Donc, on revient ici. On fera une barre de 3 qui descend comme ça sur l'eau. Non, je prends des demi-dames, ça va pas. Fermé comme ceci. Attendez, je vais finir de combler l'intérieur. On est pas mal là. Oui. Donc, qu'est-ce qui reste? Je pense qu'on est bon, je vais juste prolonger la quille. Ouais. Voilà, on est pas mal. Et voilà, je pense que c'est bon. Ouais, donc c'est bon, on a fini le bateau. J'ai juste ajouté quelques torches dessus. Et des échelles. Voilà, c'est pas mal. Donc, voilà, c'était un tout petit tuto parce que je dois préparer mes affaires pour partir en vacances. Hein. Donc la prochaine fois, je ferai un timelapse sûrement pour la construction du quai du port. Et après, on fera des tutos pour les constructions dans la roche. Donc de... Là, c'est pas la roche, hein, mais on va terraformer un peu. Ce qui va prendre pas mal de temps. Donc petit timelapse que je vous ferai. Hein. Donc voilà, c'était Olira, prochaine Olira Gaming. Merci d'avoir regardé ce tuto. Et on se retrouve après les vacances, donc dans un mois. Donc bonnes vacances à tous et à la prochaine.